Et je parle ici, bien sûr, de l'Iran. Du Liban à l'Irak, au Yémen, l'Iran finance, forme les terroristes, les milices, d'autres groupes armés qui propagent la destruction à travers la région. Depuis des décennies, l'Iran a alimenté l'extrémisme. Il s'agit d'un gouvernement qui parle ouvertement de meurtres de masse, qui condamne Israël, les États-Unis et de nombreux pays dans cette salle et déstabilise par ses interventions de nombreuses régions. Vous avez vu ceci au Syrie, où le président Assad a commis des crimes indescriptibles et les États-Unis ont pu confirmer l'utilisation d'armes chimiques interdites par le régime et nous avons riposté par une frappe avec 59 missiles contre les bases d'où ont été lancées ces attaques. Les pays responsables doivent travailler ensemble pour mettre fin à la catastrophe humanitaire en Syrie.